La RDC prend officiellement les rênes du secrétariat exécutif de l'Agence de facilitation de transport de transit du corridor central. Maître Flori Okandju Okenge succède au capitaine Dieudonné Ndukunani du Burundi après 6 ans d'exercice. La cérémonie de remise reprise a eu lieu à Dar es Salaam. C'est officiel. Maître Flori Okandju Okenge succède au capitaine Dieudonné Ndukunani après 6 ans d'exercice à la tête du secrétariat exécutif de l'Agence de facilitation des transports et transits du corridor central. Le Burundi cède la place à la République démocratique du Congo pour un mandat de 3 ans, une fois renouvelable. La cérémonie de remise aux reprises a eu lieu au siège de l'Agence de facilitation des transports et transits du corridor central. Un moment caractérisé par la remise des insignes du pouvoir, notamment le plan stratégique du corridor central, les clés du bureau, la signature, les chants des signataires, suivis des accolades. Officiellement installé, Maître Flori Okandju Okenge place son mandat sous les signes du travail et de la continuité. Même élan de coordination des projets relatifs aux infrastructures de transport et de commerce dans les corridors centrales, la vitesse sera la même, le travail se fera toujours avec la même qualité. Donc ils n'ont pas à hésiter, ils n'ont pas à avoir peur. Bien au contraire, je les appelle nombreux à venir, à nous faire davantage confiance et à utiliser les routes du corridor central. Pour le capitaine Dieudonné Ndukunani, considéré comme personne ressource avec plus de 28 projets dans son actif relatif à la diversification du mode de transport au sein du corridor central, ce dernier a trouvé l'opportunité pour saluer les dynamismes des uns des autres et aussi souhaiter plein succès à son successeur. Je suis très content parce que mon successeur est un ami à moi avec qui j'ai travaillé pendant plus de 5 ans dans cette famille. Alors le conseil que je lui donnerai, c'est un conseil en 3 temps. D'abord, je voudrais encore une fois l'inviter à continuer à obéir au Tout-Puissant. Deuxièmement, à toujours se rapprocher des pays membres pour comprendre leurs priorités et les assister à y parvenir. Et troisièmement, à renforcer le travail d'équipe. Place au travail, Maître Flori Okandju Okenge, nouveau secrétaire exécutif de l'Agence de facilitation des transports et transits du corridor central, débute sa tournée par Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Son pays est un des membres du corridor central.